Salut à tous, on se retrouve sur Memoria pour la suite de Final Fantasy XII. Alors donc, j'ai un petit peu cherché. J'ai essayé plusieurs combinaisons. On va toucher l'hôtel. Donc en fait, c'est pas... Il faut pas prendre une autre malédiction, il faut pas sacrifier un autre pouvoir. En fait, il faut juste récupérer son pouvoir, simplement. Ah mais qu'est-ce que j'ai fait? Ouais bah vas-y. Je pensais que j'étais devant l'hôtel de la magie. Je me disais bien la boule s'éloigne. Bah c'est pas grave. Ok. Alors, on retrouve toutes nos facultés. On a maintenant quelque chose pour monter. Ok. Donc, ouais, non. Au lieu de tourner en rond et à tout essayer, il faut juste rendre le pouvoir que vous aviez. Dalle ascensionnelle. Ouh, bah j'ai pas le choix, hein. Est-ce que je reste... Est-ce que je vais au même étage que auquel je suis? Allez, 67e. Malheureusement, je pense qu'on va devoir finir la tour de Ridorana. Parce que si j'essaie juste d'obtenir Ashmal et de me barrer, ça va pas trop le faire. Alors, on a quelque chose ici, on a un cristal. Ça fait toujours plaisir, on va lui parler à ce cristal. Allez, Redas. Je suis désolé, hein, mais t'as fait tout chaud. Oh, punaise. Oh là là. Non, il est méchant, Van. Ok. Non, je vais pas faire le tour. On va toucher directement ça. Ah, punaise, j'ai un truc dans la gorge, là. C'est chaud. Le sommet du phare. L'épreuve du temps. L'épreuve du temps? Oh putain. Non, au moins c'est des énigmes, on va dire, faciles. Maternelle et moi. Pyrobone. Ça explose dans tous les sens, ça craint. On en a buté aucun. Alors, portail du sceau noir. Portail du sauveur. Alors, quelque chose me dit qu'il est rouge celui-là. C'est ce que je dis, maternelle et plus. Sacrificiel. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'on a ici? On a une. Ok. Toi qui as atteint cet ultime palier, sache qu'il n'offre nul chemin à arpenter. Fie-toi aux épreuves que tu as subies. Leurs glyphes doivent être tes seuls égéries. Commence par suivre le sceau de la nuit. Cette contrée n'est pas aisément franchie. Commets deux erreurs et tu en paieras le prix. Ouh punaise, moi je sais plus. Bah il me dit de commencer par celui du... Ah non, 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 non. Le sacrificiel, non. C'est celui de la nuit avec les orbes. Ouais, le sceau noir. Ok. Ouais, c'est sympa. Ok, bon, on va essayer de ne pas se tromper. Normalement, après, on a fait apparaître donc des escaliers. Donc, avec des choses vertes. Donc, on va essayer de faire ça. Allez, les gars. Balti, t'es en mode berserk ou pas? Okay. Ça va, on arrive à en buter des bonbons. Cul de sac, objet. Objet. Balle incendiaire. Ouais, j'en ai 40 000. Des balles incendiaires. Antares. Ouh. Attends, j'avais pas déjà un Antares? Ah non, c'est le premier. Ok. Waouh. Ah mais non, les gars. On va garder nos maxi potions. Faut pas abuser.
Donc normalement c'est celui-là. Ouh là là, j'ai un petit peu peur. Fission. Ouh punaise, là mes mages sont... Elles sont contentes. Hein. Non, je vois pas fission. Ah, je la vois. Juste avant ravage. Ok. En dessous d'eau. Ok. Trompe-œil. Un autre trompe-œil. Oh, punaise. Là, l'œil, il en peut plus. Tromper deux fois. Bam, bam, bam. Ben, je peux parler au vert ici. Quelle différence avec l'autre, ce vert? Ébis azur, ah là là. Ok. Bon, on va parler à ce vert-ci. Donc si je me trompe deux fois, je vais en payer le prix. Bon, j'ai des flashs qui me reviennent, hein, mais... Je pense que je vais te téléporter en fait dans une zone où il y a des ennemis. Une robe blanche. Allez, quand j'utilise la robe blanche... Waouh. Ah les gars, là c'est chaud. Attends, j'avais pas l'évitation? Allez, vas-y. Donc... Après... Après le vert, on a fait donc le sacrificiel. À aucun moment on a fait le saut rouge. Non, je pense pas. Deux chemins, une grosse... Allez, une super potion, punaise. Toute cette salle pour une super potion, c'est un truc de fou. Ils auraient pu mettre des pièges. Un peu de beau. Ok. Il y a plein de pièges ici apparemment. Technique. Acuité. Ouais, le seul problème c'est que là j'ai fait toutes les orbes. Bah oui, j'ai fait toutes les orbes. Donc je finis avec laquelle hein. Oi oi oi, sacrificiel. Saut vert. Saut noir. Saut blanc. Bah vas-y.
C'est le bon chemin. Non, je pense que là, c'est la punition. Ouais, c'est la punition. Exactement. C'est le purgatoire. 64, pas mal. Ça n'en finit pas. C'est excellent. La magie qui scellait la porte là, la porte s'est évanouie. Alors, dis-moi. Toi qui atteins cette ultime partie, fie-toi aux épreuves que tu as subies, leurs glyphes doivent être tes seuls dirigeants. Le quatrième est celui que tu as sacrifié. Les armes en cendres consumées, les possessions en or transformées. Qu'est-ce que tu me racontes? La carte. On peut regarder la map. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Toi qui atteins cette ultime partie, méfie-toi aux épreuves que tu as subies, leur glyphe. Le troisième aussi, flamme se nomme. Mais celle-là brûle, attise, consomme, fait disparaître le chemin offert à l'homme. Quatrième, c'est le... C'est le sacrifice. Alors, vous me cassez la tête. Commence par celui de la nuit. Ok. Vers le seau de la flamme, ensuite tourne-toi. Celle qui sans être. Sans qui aux êtres sans elle a ouvert la voie. Ouais, c'était la flamme verte, ça. Donc c'est noir, ensuite vert. Donc ça, c'était le quatrième. Le troisième, flamme, se nomme. Je me rappelle pas d'un truc rouge. Ok. Donc on revient ici. Et c'est parti. Alors, le sacrificiel. Non, le sacrificiel. L'orbe noir plutôt. Ok. Ok. Non, si je me rate encore, je vais chercher la solution là, parce que je vais pas tourner. Là. Surtout que je perds du temps pour rien. J'aurais pas dû. Donc il y a un verre ici. Il y a un piège qui nous a buté mais qui n'est pas possible. Portail du sauveur. Juste après les orbes noires, on a fait le sauveur. Enfin, on a buté les blocs de marbre. Regardons où est-ce que j'apparais. J'apparais ici, donc je me suis pas foiré peut-être. Fournaise ? Oh punaise, t'es sérieux? Ok, je suis allé par là tout à l'heure. Je me suis fait buter. Fais gaffe, Baltier. C'est ce que je t'avais dit. C'est Baltier qui marche sur le piège, mais c'est Bache qui meurt. Allez comprendre. Ok. Donc, tout à l'heure j'étais passé par ici. Ok. Donc là je pense pas que je m'étais trompé. Donc le troisième c'est la flamme. Je sais pas d'où sort la flamme mais on va l'essayer. L'image était rouge juste avant.
m'a l'air d'être plus ou moins correct. Ok. Si j'avance ici, j'ai un petit trésor. La lame Ultima. J'en avais déjà une. Ouais, je l'avais acheté. Ok, et le dernier, c'est le sacrifice. Sacrificiel. 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 Et sacrificiel. Oh non! C'était la couleur. Les objets. Je sais pas. Je sais pas. C'est ça la magie? Parce que je sais que le mien, il était violet, je pense. Allez, c'est pas grave, on va essayer celui-là. C'est ça que j'avais sacrifié. Non, je reviens en arrière. On va remettre l'acuité pour être sûr qu'on est revenu au même endroit. C'est bien ça. Ah, ça me soigne. Allez, vas-y, on colle les murs. Ok, donc là, je me suis foiré une fois, c'est cool. Le jeu me dit, vas-y, réessaye. Ok, sacrificiel, sauveur. Donc c'est le rouge, on prend le rouge. Et donc j'arrive aux 4 sacrificiels. J'avais sacrifié la magie. Mais entre temps, j'avais peut-être pris le repère parce que je m'étais foiré, donc je sais pas. Allez, magie. Si ouais, il regorge les magies, c'est pas pour ça. Ok, ça semble réussi. Je suis très content. Alors, toi qui attends, hein. Le dernier est aux immortels accès dévoilé, brillant d'un éclat jusque-là jamais contemplé, par aucun glyphe ni aucune couleur maculée. Donc le prochain, ça va être le... Je sais pas, le blanc là tout à l'heure, qui m'a eu, trompe-œil. Bah lui on l'avait jamais vu. Ça devrait être lui. Ah non non les gars, il y a un coffre. Alors, un gant de zèle là. Non, je pense que c'est les équipements un peu pourris là. Qui te demandent d'avoir tes PV à 100%. Ouais c'est ça. Ah non mais... À part de Overheal... Overheal... Je sais pas ce que ça veut dire. Allez. On va changer en pierre si on fait pas gaffe. Ouh, un maillet. T'es sérieux? Ah ça c'est génial hein. J'en ai combien maintenant? J'en ai 2. Les maillets sont super importants pour une arme très puissante, mais je sais plus laquelle. Allez. Là, je ne vends plus rien. J'en ai 2 des maillets. Je crois qu'il en faut 10. Je suis plus sûr. Donc là, on voit des orbes. Allez, un petit remède. Voilà. Ok, donc là, normalement... Non, je vais aller toucher l'autre couleur blanche. Sacrificiel, non. Orbe, non, c'était l'autre. Non, même si ici il y a un orange, non, c'est un rouge. Okay. Et balance-t-on un remède. Allez. C'est la fin, dis-moi que c'est la fin, s'il te plaît. Il y a un coffre ici. Un élixir de l'autre côté. Laisse-moi voir. Ok. Ah, punaise. Bah, je suis content. Ouh, 20 minutes. 20 minutes déjà. C'est possible, je pense. Donc, si jamais j'obtiens HMAL très vite.
Je pourrais me barrer, éventuellement. Comme ça, on essaie d'obtenir The Liar. Wow. Oh yeah, Ashmal. Malheureusement, tu vas mourir, mais tu vas rien comprendre. Rocher. Véhémence. Non, je suis désolé, mais t'es mort. Ok. Je peux lui balancer un remède, hein, si tu veux. Ouh, bon, c'est pas grave, t'es mort. T'es mort, Ashmal. Oh yeah, ok. Ouh, bien joué. Ah, il nettoie son Mithuna. Vous obtenez Leon, Ashmal, le grand ordonnateur. Tan, 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 tan. Ok, on a réglé le problème. On peut reprendre notre ascenseur. C'était tellement classe dans la scène. Qu'est-ce qu'on a ici? Allez, on a un dernier chemin. Vas-y, balance-toi un remède, s'il te plaît. Parce que ça fait peine à voir. Allez. Matière obscure. Il n'y a plus d'ennemis. Oh non! The din of the mist grows greater. The sun crest must be near. I wonder if she'll really do it. Take revenge against the Empire. I mean, I know how she must feel. It's hard, losing someone you care about. Something we all got in common. But you know, no matter how hard we try, we can't change the past. There's nothing that can bring them back. Still, sometimes when I close my eyes, I can see them so clearly. Illusions of the past. You think to have cast them off, only to find them years later, unwearying, unrelenting. The past can bind a man as surely as irons. Cut the true path. But will she? Ils sont en train de discuter alors qu'elle est juste à côté, quoi. Les gars, laissez-moi réfléchir. Oh là là, j'ai entendu la voix de Reda, je me suis dit, finalement, non, c'est... Ça craint, là, j'aurais dû le réveiller. J'aurais dû le garder en vie, en fait. Finesse, quoi. Je suis désolé, Reda, hein. Mais tu déchires dans les scènes, donc... C'est parce que je voulais pas qu'ils prennent tout notre XP. Mais là, je me rends compte que je me dirige vers le scénario. Et il y a un cristal. Donc je pense que si je monte ici, je vais devoir affronter le papounet, comment il s'appelle? Le papounet de Baltier. Avec sa petite invocation, donc ça craint énormément.
Donc je pense que je vais arrêter l'épisode ici, je vais redescendre dans la tour et on va aller chercher je sais même pas si je peux l'obtenir à ce niveau quoi. C'est vraiment difficile. Donc on va essayer de faire les mines de M dans le prochain épisode. Donc je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt sur Memoria. Ah non non. Ouais non j'ai rien dit. À bientôt sur Memoria. Allez salut.